Alors ce soir, je vous propose d'aller à la découverte de la planète Mars, sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans en thèse. J'ai étudié pendant 4 ans en fait, le cycle de l'eau sur Mars. Et ça fait partie, ce cycle de l'eau, donc de l'étude du climat actuel de la planète Mars. Alors Mars, c'est une planète qui a toujours suscité la curiosité des hommes et leur intérêt, depuis l'imaginaire et les folles théories sur les Martiens, dans les années au 19e siècle, je dirais, jusqu'au milieu du 20e siècle. Et puis depuis son exploration par des robots et des sondes, tout ce qui a suscité la curiosité, c'était finalement les différences et les similitudes qu'on a découvertes entre la planète Mars et la planète Terre. Donc les questions qu'on se pose aujourd'hui sont pour la plupart par rapport à nos origines, par rapport à l'apparition de la vie sur Terre. Ce sont les questions qui motivent à l'heure actuelle les programmes d'exploration de la planète Mars. Et aujourd'hui, je vous invite à aller découvrir quelles sont les similitudes de Mars avec la Terre et quelles sont les différences, en quoi Mars est une planète vraiment passionnante. Alors, notre destination aujourd'hui, donc c'est la planète Mars, quatrième planète à partir du Soleil, donc quatrième des planètes telluriques, coincée entre la Terre et Jupiter. Une planète qui est distante donc, de 1 unité astronomique et demie par rapport au Soleil, donc 1,5 fois plus distante du Soleil que n'est la Terre, ce qui fait que la durée de l'année sur Mars est de 687 jours terrestres, à peu près deux fois une année terrestre. Donc l'année martienne est à peu près deux fois plus longue que l'année terrestre. Par contre, la durée du jour sur Mars, c'est à peu près la même que sur Terre. Alors il y a un petit décalage de 37 minutes, comme vous pouvez voir, 24 heures 37 minutes sur Mars pour une journée. Et quand on envoie des sondes sur Mars, les ingénieurs et les scientifiques doivent se synchroniser à l'heure martienne parce qu'ils vont suivre les opérations des robots. Lorsqu'il fera jour, les robots font des photos, des analyses, et lorsqu'il fera nuit, le robot et les ingénieurs sur Terre et les scientifiques sur Terre vont s'endormir. 37 minutes le premier jour, ça va, le deuxième jour, ça va encore, mais au bout de 15 jours, on commence à se décaler. Et donc, la NASA a créé une montre qui est à l'heure martienne pour les scientifiques, pour qu'ils puissent se repérer à l'heure martienne comme sur Mars. Alors ce système, ça marche pendant les premiers mois, mais au bout d'un moment, les scientifiques sont tellement en décalage que la vie de famille se retrouve très compliquée, donc ils sont par équipe de roulement et ils roulent comme ça au fur et à mesure. Aujourd'hui, pour Curiosity, ça fait maintenant 4 ans qu'elle est sur Mars, donc 2 ans martiens. Disons que les scientifiques ne suivent plus la mission route de façon aussi assidue, c'est-à-dire qu'ils ont des veilles qu'ils ont à faire, mais elles sont beaucoup plus espacées. Il y a une équipe qui est en charge de la suivre, mais ils n'ont plus besoin d'être aussi assidu qu'il n'a été au début pour l'exploration. Alors Mars, si on la rapproche de la Terre virtuellement et qu'on compare les deux planètes, eh bien on se rend compte que c'est une planète qui est environ deux fois plus petite que la Terre en termes de rayon. Sa gravité, de ce fait, est beaucoup plus faible que celle de la Terre, environ trois fois plus faible. Donc si on allait sur Mars, on peserait à peu près trois fois moins lourd. Vous sentiriez trois fois plus léger, ce qui veut dire que vous pourriez sauter plus loin, pas autant que sur la Lune évidemment, mais en tout cas vous sentiriez plus léger. Voilà. Sensation qui serait différent de celle qu'on sent sur Terre. Par contre, pour ce qui est des surfaces émergées, sur Mars, il n'y a pas d'océan, uniquement des surfaces minérales ou glacées, et la surface totale de Mars est équivalente à celle des terres émergées de la Terre. Ce qui signifie, en d'autres mots, qu'il y a autant de terrain à aller explorer sur Mars qu'il y a de terrain à aller explorer à la surface de la Terre. Donc, autant de randonnées à faire, si on veut, pour les explorateurs, à faire sur Mars que sur Terre. Alors, je vous propose de partir sur Mars au côté de Curiosity. L'idée, c'est qu'on va s'imaginer qu'on est dans un vaisseau spatial à bord d'une fusée et qu'on va partir aux côtés de Curiosity jusqu'à la planète Mars. Alors le voyage, normalement, prend 6 à 9 mois, évidemment, pas faire durer la conférence aussi longtemps, mais on va simplement essayer de s'imaginer virtuellement partir sur Mars, atterrir sur Mars et voir quel est le climat actuel qui règne à la surface de Mars et en quoi il est différent de celui qui règne sur Terre. Curiosity, vous l'avez ici à droite, c'est un sacré gros robot. Vous avez ici le premier robot qui a roulé sur Mars, le premier rover, comme on l'appelle, Pathfinder, dans les années 90, fin des années 90, en 98. Ici, c'est un rover qu'on appelle Spirit, alors il a un jumeau qui s'appelle Opportunity. Spirit actuellement ne marche plus sur Mars, Opportunity roule toujours. Opportunity, ça fait maintenant 11 ans qu'il est sur Mars et qu'il roule toujours. Donc c'est un robot très très endurant. Et Curiosity qui atterrit en 2012. Le plus gros de tous les rovers jamais envoyés, c'est à peu près la taille d'une Twingo. Il comporte 75 kg d'instruments scientifiques à l'intérieur de sa carapace, si on peut dire, contre 6 kg seulement pour ce robot. Vous voyez que c'est un véritable laboratoire scientifique qu'on a envoyé sur Mars.
Alors, sa mission à Curiosity, c'est de déterminer si Mars a un jour pu abriter la vie. Donc, vous voyez, la mission a vraiment un but d'exobiologie, de remonter aux origines, à nos origines finalement, et voir si on partage des origines communes avec Mars, en termes d'apparition de la vie. Alors, la destination de Curiosity, c'est le cratère Gale, un cratère qui fait 154 km de diamètre et qui comporte en son centre une montagne qu'on appelle Aeolis Mons, qui fait environ 5,5 km de haut. Le robot est allé atterrir ici, là, c'est la petite croix verte, sachant que ce qu'on voit en bleu, c'est ce qu'on appelle l'ellipse d'atterrissage. Le robot arrive de la droite vers la gauche et devait atterrir dans cette ellipse. Vous voyez qu'on a une zone sombre qui est entre la montagne, ça correspond à des dunes. Et actuellement, le robot qui a atterri ici il y a 4 ans est en train de se diriger vers le bord de la montagne pour aller faire un petit peu de randonnée en montagne. Et actuellement, il est en train de traverser le champ de dunes pour rejoindre la montagne. Donc, je vous propose une petite vidéo qui va vous présenter le voyage de Curiosity vers Mars. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Donc là, c'était le décollage prévu en 2011 et environ un peu moins de. Non, 9 mois à peu près, 9 mois plus tard, voilà, le robot est arrivé sur Mars. Ah, du coup, le micro est là. Voilà. Bon, pour l'instant, le son n'est pas forcément utile sur cette vidéo. Donc là, voilà, c'est dans l'espace. Donc le Curiosity en fait est situé ici. Le robot est situé au niveau du module de croisière. Vous avez à l'arrière ici des panneaux solaires qui permettent de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des appareils pendant la durée du vol. Voilà, donc ces panneaux solaires sont ici. Et donc là, on part pour Mars, un peu comme l'a fait finalement ExoMars il y a quelques semaines de ça. Hein, donc, une trajectoire qui est assez classique, qui est très bien connue maintenant, pour rejoindre Mars. Donc là, on est 9 mois plus tard. Le module de la partie avec les panneaux solaires s'est décroché. Et il ne reste que le module d'entrée atmosphérique de Curiosity. Vous avez ici le bouclier thermique, donc qui vient protéger le robot des contraintes thermiques lors de la rentrée dans l'atmosphère. La température peut monter très fortement lors de la rentrée atmosphérique. Vous allez voir que le bouclier ici va s'échauffer jusqu'à ce qu'un plasma se forme au niveau du bouclier lors du freinage dans l'atmosphère. Alors toute cette partie-là n'est pas contrôlée depuis la Terre. Les paramètres de l'atmosphère sont simulés par des météorologues sur Terre et on connaît l'état de l'atmosphère lorsque le robot va pénétrer dans l'atmosphère. On sait de quelle vitesse il va se faire, enfin, quelle était sa vitesse au fur et à mesure de l'entrée dans l'atmosphère. Alors vous avez le parachute qui se déploie et la partie simulation se réduit et maintenant on a uniquement donc les vraies images qui ont été prises par la caméra située sous Curiosity, sous le capot de Curiosity. Donc, ce que vous voyez là en grand écran, ce sont des vraies photos, la vidéo en fait faite par Curiosity lors de la descente. Voilà, donc imaginez que vous êtes dans un vaisseau spatial, vous regardez par le hublot qui donne vers le bas et vous voyez la surface de Mars se rapprocher peu à peu. On voit d'ailleurs le bouclier hein, qui est toujours, le bouclier thermique est ici, et puis ici ce gigantesque champ de dunes qui borde la montagne du Mont Sharp. Le robot s'est posé par ici. Il roule actuellement comme ça. Il a parcouru 11 km, même je crois qu'il arrive à 13 km ces derniers jours, et il va traverser le champ de dunes. Donc là, on descend sous parachute. C'est pour ça que le robot tangue un peu parce qu'il y a du vent dans l'atmosphère de Mars. Donc le robot tangue un peu. On voit par moments des couches nuageuses un peu plus opaques à cause de la poussière dans l'atmosphère, on en reparlera tout à l'heure.
Enfin, pour ceux qui sont proches de l'ordi, vous entendez peut-être un petit peu de vent, mais c'est simplement rajouté après sur la ligne. Il n'y avait pas de micro à bord des joysticks pour enregistrer les sons. Et le prochain robot qui doit partir en 2020 aura un micro. Donc il pourra entendre si jamais des petits martiens se cachent sous le robot et qu'ils pensent ne pas être vus. On pourra les entendre. Alors on revient sur la simulation parce que là, la dernière étape très importante se produit. Le robot est lâché et descend sous l'effet de... se maintient sous l'effet de rétrofusée qui freine sa descente. Et la dernière partie très périlleuse, la partie rétrofusée reste en vol stationnaire et Curiosity qui est située en dessous va descendre sous un câble sous l'effet. Finalement, c'est une sorte de grue, en fait, ils appellent ça la grue de l'espace qui le descend à la surface. Et donc, vous avez la roue Curiosity ici et puis les petits cailloux martiens à la surface. Donc, nous voilà sur Mars. Alors, première chose qu'ont fait les ingénieurs, c'est de prendre un panorama pour vérifier que le robot a atterri sur une surface plane, qu'il n'y a aucun souci au niveau des roues, au niveau de ses instruments. Alors, les roues font à peu près 50 cm. À peu près cette taille-là, pour vous donner une ordre d'idée. Sachant que le robot, sa taille, c'est 2 mètres de hauteur, il est plus grand qu'un être humain, ce qui donne une idée vraiment du gigantisme de ce robot comparé à d'autres. Alors, vous avez au loin le Mont Sharp, hein, 5,5 km de haut, et les traces ici laissées par les rétrofusées qui ont permis à Curiosity de se poser. Donc là, c'est un panorama 360 degrés, donc on a ici des rétrofusées d'un côté et là de l'autre côté du robot. Alors, si on zoome, on voit déjà, bon, déjà on se rend compte de la qualité des images qui sont prises maintenant à l'heure actuelle sur Mars. C'est des caméras qui sont dignes de celles qui est en train de filmer ici. Hein, c'est des caméras avec des 14 CCD très très sensibles. Et le robot est doté d'un téléobjectif 100 mm. Qui lui permet de zoomer sur les montagnes qui sont situées ici, sur les collines qui sont situées ici, qui font quelques dizaines de mètres de hauteur. Et on voit déjà l'œil d'un géologue averti permettrait de verrer de nombreuses strates qui sont les témoins de climat passé sur Mars, ou de l'eau à couler sur Mars. On reviendra là-dessus plus tard dans l'exposé. Et vous voyez ici les champs de dunes à la base du Mont Char. Alors, imaginez, donc vous venez d'atterrir sur Mars. Première chose qu'on fait, c'est de vérifier si l'atmosphère est respirable. Dans tous les films de science-fiction, vous verrez quand des astronautes arrivent sur une planète, première chose, c'est qu'ils regardent sur leur poignet leur petit capteur et ils disent « Est-ce que l'atmosphère est respirable, commandant ?» pour savoir s'ils peuvent ouvrir leur casque. Donc c'est ce que fait Curiosity. Bon, lui, il n'a pas besoin de respirer, mais en tout cas, il mesure l'état de l'atmosphère, sa composition, et il remarque que, ça on le savait déjà depuis pas mal d'années, que l'atmosphère de Mars est composée à 95,9% de CO2, donc une atmosphère absolument irrespirable. Le dioxygène est présent seulement à hauteur de 0,14%, alors que sur Terre, les valeurs sont très bien connues, donc 78% de diazote, 21% de dioxygène et puis 1% d'autres gaz. Si on regarde la proportion d'eau, c'est une proportion extrêmement faible, 0,03%. L'air martien en fait est plus sec que le plus sec de tous les déserts terrestres. Donc plus sec que la vallée de la mort, par exemple, aux États-Unis. Une atmosphère finalement complètement irrespirable et extrêmement sèche. Donc n'ouvrez pas votre casque, hein. Gardez-le bien sur vous. Deuxième chose à laquelle on va réfléchir, c'est est-ce qu'il faut ou pas garder sa. Enfin, est-ce que la combinaison doit être. Doit porter un radiateur, quelque chose qui nous réchauffe, ou au contraire, est-ce qu'il y a besoin d'une sorte de ventilation pour nous refroidir? Est-ce que la température sur Mars est propice à se balader comme ça sans souci? Alors, Curiosity possède sur son mât un petit capteur, une petite station météo, ici l'instrument REMS. Qui mesure la température du sol, la température de l'atmosphère, la pression, la vitesse du vent et l'humidité. Tous ces paramètres sont mesurés jour après jour et sont mis sur Internet, sur le site. Alors ici, c'est une capture d'écran du site de l'instrument REMS, qui a été développé en Espagne. Et puis, vous avez des applications maintenant qui sont faites pour smartphone. Donc ça, c'est une capture d'écran que j'ai faite de mon smartphone. C'est l'application Mars Weather Report, qui se trouve très facilement. Et donc, vous avez comme ça, jour après jour, la température qui fait sur Mars. Alors, au 10e jour de la mission, vous aviez les températures minimales et maximales. Donc, vous voyez, c'est des températures très basses. Là, votre combinaison devra comporter un système de chauffage pour pas que vous geliez sur place. Et la température qu'il faisait au 1304e jour de la mission, c'est-à-dire finalement la semaine dernière, moins 51 degrés en moyenne, avec ces écarts de température, moins 22 degrés pendant la période la plus chaude de la journée, typiquement c'est vers 14h de l'après-midi. Et vers 5h du matin, moins 80 degrés. Voilà, donc les écarts thermiques sont énormes, on va en reparler juste après. Vous avez également l'heure du lever et l'heure du coucher du soleil.
Alors, première chose à laquelle on va réfléchir, c'est pourquoi de tels écarts thermiques sur Mars? On n'a pas de tels écarts sur Terre. Dans les déserts, à la limite, on sait que dans les déserts, il peut faire très chaud la journée. Ça peut monter à 30-40 degrés la journée et ça peut descendre à 10 degrés la nuit. Voilà. Dans les déserts. Il faut bien se couvrir la nuit quand on dort dans les déserts et la journée, il faut bien s'hydrater. Sur Mars, on a également des gros écarts thermiques, mais qui sont bien plus accrus que ceux qu'on trouve sur Terre. Alors, la raison, elle est double. Bon, d'une part, on remarque qu'il fait plus froid sur Terre que sur Mars. L'une des raisons principales, c'est que Mars est plus loin du Soleil que de la Terre. Donc, il reçoit moins de chaleur du Soleil, moins de lumière du Soleil, moins de chaleur du Soleil. Donc, globalement, il va déjà faire plus froid sur Mars qu'il le fait sur Terre. Mais pourquoi Mars ne retient pas sa chaleur la nuit? Alors, d'une part, parce que son sol est granuleux, c'est du sable. Le sable ne retient pas bien la chaleur. Si vous marchez la nuit sur une plage, vous sentirez que le sable est très froid. La journée, par contre, le sable est très chaud parce qu'il redistribue son énergie directement dans l'atmosphère. Sur Terre, par contre, on a des océans. Les trois quarts de la surface de la Terre, ce sont des océans. Et les océans conservent l'énergie qu'ils ont accumulée la journée et la redistribuent la nuit. C'est une forte inertie thermique. L'atmosphère de Mars est très mince. On voit ici une photo du limbe de l'atmosphère de Mars. La pression est seulement de 8,2 hectopascales. Sur Terre, c'est 1015 hectopascales, une valeur qu'on voit généralement sur les cartes météo à la télé. Hein. 1015 hectopascales sur Mars, une valeur 130 fois plus faible. Qui dit atmosphère beaucoup plus mince, dit effet de serre beaucoup moins important. Une atmosphère qui a une capacité beaucoup moindre à garder l'énergie accumulée. Et une atmosphère malgré tout de CO2, donc le CO2 on sait que c'est un gaz à effet de serre, mais il est en quantité tellement faible que l'effet de serre ne joue quasiment pas. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Mars, l'effet de serre du CO2, ça ajoute 5 degrés. Voilà. Alors que sur Vénus, par exemple, où là l'atmosphère est bien plus épaisse, l'effet de serre ajoute 500 degrés à la température de l'atmosphère. Vous voyez que là sur Mars, l'effet de serre est négligeable. Et on parle de climat hypercontinental sur Mars. Climat hypercontinental. Alors, deuxième chose qu'on peut remarquer sur ce bulletin météo, c'est la vitesse du vent. Le vent ici venait du nord-ouest. Hein. Ici, on a ce qu'on appelle une barbule, c'est ce qu'utilisent notamment les navigateurs pour connaître la vitesse du vent en mer. Et donc, la vitesse est de 25 mètres par seconde, ce qui donne 90 km/h. Alors, 90 km/h, ça paraît assez important. La vitesse du vent sur Mars peut monter jusqu'à 150 km/h. Et souvent, dans les films de science-fiction, dans les films catastrophes, le vent est la cause de graves catastrophes pour les astronautes. Alors, je vous ai mis un extrait du film Seul sur Mars qui, justement, traite de ce cas de figure. Vers 4h30 du matin, le satellite a détecté une tempête qui se dirigeait vers le site Arès 3 sur Mars. La tempête ayant atteint une violence extrême, nous avons dû nous résoudre à... Même si vous n'entendez pas le son, la vidéo suffit. Alors, l'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Il a été emporté par une antenne qui a été arrachée par le vent et qui l'a percuté. Est-ce que c'est réaliste? Absolument pas. Sur Mars, les vents soufflent bien jusqu'à 150 km/h. Alors, moi je viens de Bretagne, des vents de 150 km/h, on n'en a pas souvent, mais déjà quand on est des pointes à 110, on les sent passer. Sauf que sur Mars, la pression est 130 fois plus faible que sur Terre. Donc finalement, un vent de 150 km/h, si vous étiez dehors, vous sentiriez l'effet d'une petite brise. Donc, quasiment rien. Donc tous les cailloux qu'on voit voler ici, c'est irréaliste. Et Mark Watney, qui est bien portant, qui doit faire 80-90 kg, c'est impossible qu'il soit soulevé par le vent. D'accord? Donc cette image-là de tempête qui soulève les astronautes, il faut vraiment l'éliminer. Alors le problème, c'est que si on enlève ça, dans les films de science-fiction, il ne reste plus grand-chose pour perturber le quotidien des astronautes. Alors, malgré tout, ce vent est suffisant pour soulever la poussière martienne. Curiosity, on va revenir à notre robot Curiosity. Curiosity est doté d'un bras qui fait 2 mètres de long lorsqu'il étend complètement, donc c'est un sacré bras qui est grand, qui peut aller chercher loin le sable. Et il a assez rapidement, lors de la mission, prélevé avec une petite pelle du sable pour l'analyser, pour étudier la taille des grains, pour étudier sa composition. Bref, ce qu'il est censé faire en tant que robot géologue sur Mars. Donc, vous avez ici une photo du bras. Le but, c'est de prélever un peu de sable avec cette petite pelle et de le déposer sur le disque blanc qui est ici, qui est un petit plateau pour prendre des photos. Alors on voit ici le sable qui a été prélevé, ça a creusé une petite tranchée. Là, le sable, en fait, c'est secoué pour pouvoir évacuer les gros grains et pour pouvoir vous tester, grâce à ces vidéos, la cohésion du sable.
Ensuite, le sable est tamisé. Alors, vous avez la pelle ici et un tamis qui est mis en contact. On retourne la pelle. Ça permet de tamiser le sable. Il y a plusieurs tailles de tamis. On utilise ici le tamis de 150 microns. On dépose le sable sur ce plateau qui fait quelques centimètres. Donc là, c'est un gros zoom. Et on voit des petits grains. Alors, si on zoome, si le robot a une photo, une caméra, pardon, microscopique qui lui permet de faire des photos comme si c'était un microscope, et vous avez des grains qui sont vraiment tout petits. L'échelle de la taille en fait de cette image, c'est moins d'un centimètre. Le grain qui est ici fait 130 microns, ce petit grain-là. Alors, la fraction la plus fine de la poussière martienne, les petits grains finalement qui sont tellement petits qu'on n'arrive même pas à les distinguer à l'œil nu, font de 0,1 à 10 microns. Alors, sur Mars, on a des grains qui font de 100 nanomètres à 10 microns. Pour vous donner une ordre d'idée, ces grains-là seraient aussi fins que ceux qu'on trouve dans les particules de fumée. D'accord ? Et la fumée, c'est quelque chose qui facilement est transporté par le vent, se soulève très facilement. Sur Mars, on a cette poussière-là extrêmement fine qui recouvre toute la surface. Et donc, dès qu'on a une brise, même une légère brise, ça va soulever la poussière. Alors, ces brises se traduisent sous forme de tornades. Celles-ci ont été filmées par le robot Spirit dans les années 2000. Ces tornades, elles se produisent l'après-midi, lorsque la surface est chauffée. Le sol est chaud, on va avoir des phénomènes de convection. L'atmosphère est plus froide aussi, on a de la convection. Et ce vent vient soulever les poussières dans l'atmosphère. On a exactement la même chose dans les déserts terrestres, en Espagne, par exemple, ou même chez nous, on peut avoir comme ça des mini-tornades. Vous avez des photos vues de satellites. Alors, le diamètre de la tornade fait 30 mètres, et ces tornades peuvent monter jusqu'à 2 km dans l'atmosphère. Elles peuvent être quand même sacrément massives. Lorsqu'elles passent sur les terrains poussiéreux, elles laissent leurs traces. Donc, toutes ces traces sont que vous voyez, ce sont des traces laissées par le passage des tornades. L'idée, c'est qu'en fait, la poussière martienne très fine, elle est très claire. Et le sol en dessous est un sol plutôt volcanique et assez sombre. Donc lorsqu'on enlève la poussière, on laisse réapparaître le sable basaltique, le sable volcanique en dessous plus sombre. Alors, ces tornades, quand elles passent sur les rovers, puisque ça arrive qu'elles passent sur les rovers, ça ne produit aucun effet dommageable. Hein, elles ne sont pas en train de transporter des gros cailloux qui peuvent endommager les panneaux solaires. Au contraire, elles vont soulever la poussière qui stagne, qui sédimente sur les robots. Vous avez ici une mosaïque de photos qui a été prise par le robot Opportunity. Donc il se prend en photo par au-dessus, en fait. Il prend une photo de son... Il prend une photo de tous ses panneaux solaires. Donc ça, c'était Opportunity en janvier 2014. Et suite au passage des tornades, en mars 2014, Opportunity est devenu tout propre. Et là, on voit vraiment au niveau de l'énergie fournie par les panneaux solaires, une augmentation. Sans ces tornades, finalement, sans ce vent martien, le robot, au bout de quelques mois, il serait mort, en fait, il n'aurait pas utilisé assez d'énergie fournie par les panneaux solaires. Donc là, c'était une sacrée surprise pour les ingénieurs, ils ne s'attendaient pas à ce que les tornades soulèvent autant de poussière. Et Opportunity, depuis 11 ans, roule sur Mars. Il a parcouru plus d'un marathon, plus de 40 km. Et il a collectionné les cratères au cours de son parcours, et les ingénieurs ne savent pas quand est-ce qu'il va s'arrêter de vivre. Donc, ils continuent de se relayer, mais ils ont une... C'est finalement ces ingénieurs, la BGPL, du Jet Propulsion Laboratory aux États-Unis, qui font partie de la NASA, c'est des personnes qui finalement ont passé 11 ans de leur vie à conduire des robots sur Mars. C'est assez fantastique, ils ont une expertise mondiale dans la conduite de robots sur d'autres planètes. Alors, Opportunity, justement, le 1er avril de vitesse, c'est pas un poisson d'avril, a photographié une tornade. Voilà. Alors, la photo, normalement, on peut les retrouver sur Internet, toutes ces photos, elles sont publiques. Il a photographié, en fait, cette partie-là, et James Sorensen, qui est un amateur de traitement d'image américain, a étendu la tornade vers le haut. Le ciel est synthétique, et il a étendu artificiellement, parce que le robot n'est pas capable de voir des différences de contraste aussi faibles. Et ici, ça donnerait, finalement, je pense, que verrait l'œil humain s'il était à côté de Opportunity. Je ne pense pas que la photo est trop exagérée. Mais on voit quand même cette tornade qui est distante de plusieurs dizaines de kilomètres au moins et qui traverse tranquillement le fond du cratère dans lequel est Opportunity. Et vous voyez les traces de roues ici, laissées par Opportunity, qui sont plus sombres que les alentours, parce que quand Opportunity roule, soulève la poussière martienne qui est claire, il laisse apparaître le sol qui est plus sombre. Alors le ciel martien est couleur saumon. Pourquoi ? Parce que c'est poussière. Elles sont soulevées dans l'atmosphère et elles viennent rendre cette atmosphère assez sale. Hein, parce que c'est des poussières d'oxyde de fer. La surface de Mars est rouge à cause de l'oxyde de fer qui est à la surface et de la roue. En fait, Mars est rouillé.
et ces poussières de rouille sont transportées par le vent pour se retrouver dans l'atmosphère. Le ciel est couleur selon la journée et devient bleu au coucher du soleil. Alors c'est assez marrant puisqu'on a un ciel rouge, on va dire rouge la journée, qui devient bleu le soir, tandis que sur Terre le ciel est bleu la journée quand il fait beau, pas comme aujourd'hui, bleu la journée et ça devient rouge au coucher du soleil. C'est l'inverse sur Mars. Alors on va faire une petite pause là-dessus, on va essayer de réfléchir à la physique qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'on a ces différences entre le ciel martien et le ciel terrestre? Pourquoi sur Terre le ciel est bleu en journée, tandis que les couchers de soleil sont rouges? Ça va peut-être vous rappeler certains souvenirs de physique que vous avez eus. La lumière du soleil dans l'atmosphère terrestre est diffusée par les molécules de l'atmosphère. On a des molécules dans l'atmosphère qui sont du diazote et du dioxygène, et ces molécules diffusent, c'est-à-dire renvoient la lumière du soleil dans toutes les directions. Les molécules de l'atmosphère sont beaucoup plus petites que ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière visible, celle qu'on voit avec nos yeux. La longueur d'onde permet de caractériser la lumière. La lumière rouge n'a pas la même longueur d'onde que la lumière verte, n'a pas la même longueur d'onde que la lumière bleue. Et les molécules sont beaucoup plus petites que ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière. Il se produit un effet qu'on appelle la diffusion Rayleigh. La lumière bleue est beaucoup plus diffusée que la lumière rouge. C'est ce qu'on voit sur ce schéma-là. La lumière bleue, globalement, est diffusée dans toutes les directions, tandis que la lumière rouge est moins diffusée et continue plutôt son trajet vers l'avant. De ce fait, le ciel est bleu dans toutes les directions. Sur ce schéma-là, vous voyez que quand la lumière solaire arrive, le bleu est diffusé dans toutes les directions, ce qui fait que quand vous regardez à 90 degrés du soleil ou à 180 degrés du soleil, vous verrez du bleu. Parce que la lumière bleue a suivi un trajet un peu dans toutes les directions jusqu'à arriver dans votre œil. Le bleu est diffusé dans toutes les directions. Tandis que le rouge, lui, continue sa route à peu près tout droit du soleil jusqu'à votre œil. Alors le soir, la lumière du soleil traverse un chemin plus long dans l'atmosphère. Le chemin traversé est plus long, ce qui fait que la lumière bleue et puis même la lumière verte sont diffusées dans toutes les directions. Et finalement, la lumière qui arrive directement du soleil, c'est uniquement la lumière rouge. Ce qui fait que le soleil, quand il se couche, devient rouge. Voilà. La partie bleue et la partie verte de la lumière du soleil, c'est diffusé dans l'atmosphère, il ne reste que le rouge. Alors qu'en est-il sur Mars? Sur Mars, on a dit qu'il y avait beaucoup de poussière dans l'atmosphère, et c'est la poussière qui diffuse la lumière. Les molécules de l'atmosphère martienne diffusent également la lumière, mais il y a tellement de poussière dans l'atmosphère que c'est elle qui diffuse majoritairement la lumière. Les particules de poussière, elles ont une taille comparable à la longueur d'onde. Elles sont de l'ordre de 100 à 10 microns, 100 nanomètres à 10 microns, et 100 nanomètres, entre 400 et 800 nanomètres, c'est la longueur d'onde du visible. Donc là, les gammes de taille des poussières, c'est globalement la longueur d'onde de la lumière visible. On dit qu'on a la diffusion de mi. La diffusion de mi, sa caractéristique, c'est que toutes les lumières vont être diffusées à peu près de la même façon. Donc le bleu ne va pas être plus diffusé que le rouge, toutes les lumières vont être diffusées à peu près de la même façon. Et comme les particules de poussière sont composées d'oxyde de fer, couleur rouille, elles ont la propriété de diffuser plutôt le rouge et d'absorber la lumière bleue. C'est pour ça qu'on voit la rouille rouge. On la voit rouge parce qu'elle réfléchit la lumière rouge et elle absorbe la lumière bleue. De ce fait, le ciel est rouge dans toutes les directions. Vous voyez en fait la couleur rouge de la rouille dans toutes les directions. Alors a priori, si on suit le même raisonnement qu'avant pour la Terre, le soir, la lumière du soleil traverse un chemin plus long, la lumière rouge est totalement diffusée dans toutes les directions, et puis les rayons de lumière bleue qui n'ont pas été absorbés par les grains de poussière vont continuer tout droit leur chemin jusqu'à votre œil, et vous verrez un halo bleu autour du soleil. Sauf que ce n'est pas aussi simple. En physique, on a souvent, on fait nos petits calculs, on a ici un modèle qualitatif, on dit avec les mains ça a l'air de tenir, et puis quand on fait les calculs, on se rend compte que ça ne marche pas aussi bien que ça. En fait, la poussière martienne que j'ai représentée ici, elle diffuse fortement la lumière vers l'avant. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous nettoyez votre maison, vous avez des particules de poussière qui se soulèvent dans l'atmosphère, et si vous avez le soleil en face de vous, vous verrez toutes ces particules de poussière. On a l'impression que ça fait plein de petites, comme des petites paillettes dans l'atmosphère. C'est pareil pour la porte de la poussière martienne. Elle diffuse la lumière vers l'avant. Donc quand on a le soleil en face, voilà, on voit très bien ces particules vers l'avant. La lumière est fortement diffusée vers l'avant. La propriété des poussières martiennes, ça c'est, on a mis du temps à découvrir, c'est qu'elle diffuse 6 fois plus efficacement la lumière bleue vers l'avant que la lumière rouge. C'est exprimé en fait sur ce graphique. Vous avez en abscisse l'angle dans lequel on regarde la diffusion de la lumière. Et lorsqu'on a, on regarde la diffusion vers l'avant, ici, donc à 0 degré, l'intensité diffusée pour le bleu
est 6 fois plus importante que pour le rouge. Alors là, ici, on est en échelle logarithmique, donc l'effet peut être même encore plus important. Ce qui fait que le bleu est beaucoup plus diffusé vers l'avant. La lumière bleue est fortement envoyée vers l'avant. Et c'est la raison pour laquelle on a ces fameux halos bleus. Vous voyez, on parle d'analogie avec la Terre. On voit que l'effet est inverse. Et finalement, en creusant un petit peu nos connaissances sur la poussière de Martienne, on arrive à expliquer ces fameux couchers de soleil. Alors oublions un peu la physique et concentrons-nous juste sur la beauté des paysages. Ce que les couchers de soleil que je vous montrais tout à l'heure ont été acquis il y a une dizaine d'années par les sondes Spirit et Opportunity. Celui-ci, par contre, ce coucher de soleil a été obtenu par Curiosity l'année dernière. Et j'ai réalisé ici une petite animation à partir des photos prises par un téléobjectif pour montrer le soleil qui se couche derrière le rempart du crater Gale. Alors, les poussières martiennes sont soulevées par le vent et vont suivre un cycle. Elles ne vont pas rester éternellement dans l'atmosphère. Les poussières sont soulevées par des vents de 100 km/h, sont transportées par les vents, par les alizés martiens dans l'atmosphère, et puis au bout d'un moment vont resédimenter. Sur Terre, il arrive que des poussières peuplent l'atmosphère. On parle d'aérosols sur Terre, et ces aérosols peuplent l'atmosphère. Ça arrive notamment lorsqu'il y a des pics de pollution. Les moteurs de nos voitures éjectent des particules, et lorsqu'il y a très peu de vent, dans la région où on se trouve, on peut avoir stagnation des poussières. Et on demande alors aux véhicules de rouler moins vite et d'éviter pour les personnes asthmatiques de sortir. Eh bien, dès qu'on a un épisode pluvieux, ces poussières vont se retrouver à la surface. La pluie, les gouttelettes d'eau vont se former autour des poussières et vont entraîner les poussières à la surface. Sur Mars, il ne pleut pas. Ce qui fait que le ciel, globalement, reste toujours nuageux. On n'est pas en pic de pollution en permanence sur Mars, on ne parle pas comme ça, mais on sera en permanence en situation poussiéreuse. Ce qui peut se passer sur Mars, c'est que des nuages et des cristaux de glace se forment sur les poussières et les entraînent vers le bas. Et ce processus, en fait, de lessivage par condensation, entraîne des précipitations de neige sur Mars. Ça va être la suite du cycle, on parle ici du cycle de la poussière, qui a un lien avec le cycle des glaces sur Mars. Alors, l'opacité de l'atmosphère de Mars, son contenu en poussière, peut varier très fortement d'un jour à l'autre. Vous avez ici une photo prise au téléobjectif des collines martiennes, qui sont loin, par Opportunity, par Curiosity, et 25 jours martiens plus tard, l'atmosphère est devenue beaucoup plus poussiéreuse. Sur Terre, ce genre de photo correspondrait à ça. Vous avez la ville de Sydney en Australie, pendant une tempête et après la tempête. Vous voyez, donc l'opacité de l'atmosphère sur Terre comme sur Mars peut fortement augmenter suite à des tempêtes de poussière. Cette opacité variable a un très fort impact sur le climat martien. On a dit que le climat martien était plutôt aride et froid, mais lorsque l'atmosphère se charge en poussière, la température augmente. Vous avez ici l'évolution de la température dans l'atmosphère. L'axe vertical vous donne l'altitude dans l'atmosphère, tandis que l'axe horizontal vous donne la température. Alors on voit que la température est faible à la surface, de l'ordre de moins 60 degrés, diminue lorsqu'on monte en altitude, et puis réaugmente ensuite un petit peu. Ça, c'est dans le cas où le ciel ne comporterait absolument pas de poussière. Ça arrive jamais sur Mars. Généralement, on a un ciel qui est plus ou moins clair. Et dès qu'on met de la poussière dans le ciel, la température de l'atmosphère augmente. Lorsque le ciel est très chargé en poussière, quoi qu'on ait lorsqu'on a une tempête de poussière très intense, vous voyez que la température et l'altitude donnée augmentent très fortement. On peut avoir jusqu'à 80 degrés d'augmentation de la température atmosphérique à cause des poussières. Donc ça a un très fort impact, puisque une température atmosphérique qui augmente, ça va entraîner des vents plus importants. Lorsqu'on a une température plus chaude dans l'atmosphère, le contraste thermique avec les couches inférieures peut être plus important, on a des vents plus importants. Et d'autre part, lorsque le ciel est chargé en poussière, en journée, l'atmosphère se réchauffe, mais la nuit, les poussières vont empêcher la chaleur de s'évacuer. Et du coup, les écarts thermiques vont se réduire. Donc, tout ça fait que lorsqu'on a des tempêtes de poussière, le climat martien est fortement perturbé. Les poussières ont un fort impact sur le climat martien actuel. Alors, des tempêtes de poussière ont été filmées par les nombreux satellites qui tournent autour de Mars. Voici un exemple de tempête de poussière dans les plaines de Noah Kistera, filmée par la sonde européenne Mars Express. Ça ressemble fortement aux tempêtes de poussière qu'on trouve au Sahara ou en Australie. Ces tempêtes de poussière, parfois, peuvent atteindre une échelle globale. Ça, on n'a pas ça sur Terre. On n'a jamais de tempête de poussière qui recouvre toute la Terre. Je vous laisse imaginer les conséquences pour le transport aérien et les activités humaines. Sur Mars, il arrive à certaines saisons, c'est encore pas très bien compris,
que des tempêtes de poussière remplissent donc toute la surface de Mars. Vous avez ici une photo prise le 10 juin 2001, et environ un mois et demi plus tard, Mars est recouvert totalement de poussière. On voit seulement émerger du voile de poussière les plus hauts volcans martiens qui culminent tous à plus de 10 km d'altitude. Alors ces tempêtes se forment en quelques jours, peuvent persister plusieurs mois et apparaissent lors de certaines saisons particulières. Alors, je viens de dire le mot saison, ce qui veut dire que sur Mars, comme sur Terre, en fait, on a des saisons. La raison, c'est que Mars est incliné sur son axe de 25,19 degrés. On parle d'obliquité. L'obliquité, c'est l'angle selon lequel la planète est inclinée par rapport à la perpendiculaire au plan écliptique. De ce fait, Mars, les hémisphères martiens vont recevoir plus ou moins de soleil en fonction de la position de Mars sur son orbite. On parle de saison exactement comme sur Terre. Sauf que Mars met deux fois plus de temps à tourner autour du Soleil. Donc les saisons martiennes sont deux fois plus longues sur Mars que sur Terre. Lorsqu'on photographie Mars depuis l'orbite avec les sondes, à différents moments de l'année, lors des quatre saisons martiennes, on se rend compte que Mars n'a pas le même visage à chaque saison, n'a pas la même apparence. Lorsqu'on photographie Mars lors de l'hiver nord, on voit que les régions du nord sont dans la nuit polaire, et qu'on a une tache blanche ici au sud. Lorsqu'on arrive au printemps, cette fois dans les régions polaires, on a une grande tache blanche qui est apparue. Cette tache blanche voit son surface diminuer en été. Puis lorsqu'on arrive dans l'automne de l'hémisphère nord, c'est-à-dire au printemps de l'hémisphère sud, on voit cette fois une tache, mais située dans l'hémisphère sud, dont la superficie diminue lors de l'hiver. Donc on a comme ça une succession de zones qui s'étendent, de zones blanches qui s'étendent. Alors, a priori, quand on voit des photos de planètes comme ça, avec des zones blanches, on pense à de la neige qui s'est déposée à la surface. Pendant longtemps, les scientifiques, je pense à Huygens par exemple, ont observé ces dépôts et se sont dit, par analogie avec la Terre, c'est certainement de la neige d'eau. Il doit neiger de l'eau sur Mars. Mais les mesures de température réalisées par les sondes qui ont survolé Mars ont indiqué que la température elle est de moins 130 degrés. Or, la neige d'eau sur Mars, dans les conditions martiennes de pression de température, elle se forme à moins 70 degrés. Donc ce n'est pas de la neige d'eau. C'est trop froid pour être de la neige d'eau. C'est de la neige carbonique. La même neige qu'on trouve dans les extincteurs, par exemple. Donc de la neige carbonique. Ce sont finalement ces zones blanches, des dépôts saisonniers de neige et de gaz carbonique. C'est l'un de mes sujets d'étude de thèse. Alors, lors de l'hiver martien, il va neiger de la neige carbonique. Vous avez ici un relevé d'altitude réalisé par le l'altimètre laser MOLA. C'est-à-dire que cet altimètre laser avait un laser un peu comme mon pointeur laser, et le laser était orienté vers le bas, depuis le satellite. Il tirait un laser vers le bas, le laser se reflétait sur des particules dans l'atmosphère et revenait vers le satellite. La mesure du temps de l'aller-retour permettait de déterminer l'altitude des particules dans l'atmosphère. C'est ce qui est utilisé, c'est la technologie LIDAR qui est utilisée pour repérer les masses nuageuses sur Terre, par exemple. Donc ce laser, à la base, est utilisé pour mesurer le relief. Ici, on voit le relief martien. Et puis, lorsqu'il y a un nuage au-dessus du relief, on voit ces séries de points. Et là, les points sont alignés selon des droites obliques qui indiquent des précipitations de neige carbonique. Plus récemment, on a observé des nuages de neige carbonique avec le pôle sud centré ici au centre de l'image, et puis des nuages de neige carbonique qui surplombent les terrains martiens. Donc vous imaginez, on est sur Mars, et il fait très très froid, moins 130 degrés, et il y a de la neige carbonique qui tombe. Alors cette neige, on pourrait s'amuser pour en faire des petits bonhommes de neige, mais je le déconseille parce que moins 130 degrés, si on n'a pas des gants suffisamment isolants, ça peut piquer. Alors, on vient de voir finalement que l'atmosphère de Mars est irrespirable, car composée de CO2, et que ce CO2 se condense l'hiver. C'est-à-dire, en d'autres mots, que l'atmosphère de Mars se condense à la surface l'hiver. Ça, c'est un phénomène qui est totalement martien. On n'a pas de phénomène comme ça sur Terre. Sur Terre, l'atmosphère qu'on respire actuellement, c'est du diazote et du dioxygène, et jamais sur Terre, il ne fait assez froid pour que le diazote ou le dioxygène se condense à la surface, ou qu'on ait des neiges de dioxygène ou des neiges de diazote qui tombent. La neige qui tombe sur Terre, c'est de la neige d'eau. D'accord ? Donc les composants principaux de l'atmosphère terrestre ne se condensent pas naturellement. Par contre, sur Mars, l'atmosphère martienne se condense. Et ça implique de très fortes variations de la pression atmosphérique. Ce que vous avez à la courbe rouge, c'est l'évolution de la pression atmosphérique de Mars au cours de l'année. Lorsque la pression diminue,
on a condensation de l'atmosphère de CO2 lors de l'hiver nord ou lors de l'hiver sud. Et lorsque la pression remonte, c'est que la neige de CO2 est en train de retourner dans l'atmosphère. On dit qu'elle se vaporise, elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux, elle se sublime. Cela implique des variations qui vont jusqu'à 30% de variation de la pression atmosphérique. Sur Terre, les variations de pression, c'est de l'ordre de 5%. Quand vous avez un anticyclone qui arrive ou une dépression qui arrive, la pression atmosphérique va varier de 5%, pas plus. Sur Mars, les variations, c'est 30% de variation de pression atmosphérique. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des saisons particulières pour le développement des tempêtes de poussière. On y arrive. Ces tempêtes de poussière, en fait, se forment lorsqu'on a des dépôts de neige à la surface. Là où la neige est présente, la température est de moins 130 degrés. Mais dès qu'on arrive sur les terrains dégivrés, le sol se réchauffe sous l'action de l'énergie solaire et la température monte rapidement au moins 50 degrés que je vous indiquais tout à l'heure sur les températures mesurées par Curiosity. Ce qui fait qu'on a un écart thermique de 80 degrés entre les terrains gelés et les terrains qui sont dégivrés. 80 degrés d'écart thermique, ça entraîne de très puissantes brises thermiques. Et ces brises thermiques vont soulever la poussière. On le voit ici, on a une tempête de poussière qui se forme en bordure des dépôts saisonniers. Et ces tempêtes de poussière vont entraîner de la poussière dans l'atmosphère, vont faire que l'atmosphère va se réchauffer. Et lorsque l'atmosphère sera réchauffée, le vent sera plus important, va entraîner plus de poussière dans l'atmosphère, qui va réchauffer l'atmosphère, et on a un effet comme ça, boule de neige. Sans vouloir faire de jeu de mots facile, hein, on a un effet boule de neige pendant cette période neigeuse, et on a des tempêtes qui vont prendre une ampleur totalement globale. Voilà. Donc, le mauvais moment pour aller passer les vacances sur Mars, c'est cette période, parce que là, vous risquez de tomber dans une tempête de poussière, et vous ne verrez pas grand-chose des paysages. Alors, ces tempêtes de poussière, comme je le disais, ont eu un impact sur l'atmosphère. Vous avez ici des mesures satellites de l'opacité de l'atmosphère. Donc, on voit le développement des tempêtes de poussière sur Mars, ici, en juin 2001. Et la vidéo juste à côté, je vais la lancer manuellement, vous donne l'évolution de la température de l'atmosphère. Donc, on voit finalement que... Alors, ici, on est à la fin de la vidéo. Au début de la vidéo, la température de l'atmosphère est assez faible, on est autour de moins 100 degrés. Et dès que le ciel se charge en poussière, la température va facilement augmenter à moins 65 degrés. Alors un autre effet très important dû au cycle saisonnier du CO2, c'est que, comme j'ai dit, l'atmosphère se condense à la surface et retourne à son état atmosphérique ensuite. Sauf que dans un hémisphère, l'atmosphère se condense, et dans l'autre hémisphère, l'atmosphère se... la neige se sublime. On a d'un côté l'hiver, tandis que l'autre côté, c'est l'été. On a donc une zone de sublimation et une zone de condensation. Et tout ça fait qu'on a un flux de condensation des CO2, qui est l'un des éléments moteurs du climat martien également. On a ces mouvements de masse atmosphérique qui sont très importants. Autre chose que vous remarquez sur ce schéma, sur Mars, il n'y a qu'une seule cellule de Hadley, tandis que sur Terre, on a deux cellules de Hadley de part et d'autre de l'équateur. Autre élément de la météo martienne, ça c'est dû au fait que Mars est plus petit, donc on développe moins de cellules de Hadley sur Terre. Alors voilà deux vidéos en fait, une de la couverture nuageuse, de la couverture neigeuse de l'eau sur Terre. Donc, ce qu'on voit c'est une sorte de respiration de la neige terrestre. Hein. Vous voyez qu'on s'est centré sur le pôle Nord et on voit la neige qui s'étend plus ou moins par an à latitude et puis qui recule lorsqu'on arrive au printemps. Ici, c'est la même chose, mais sur Mars. On est centré sur le pôle sud et on voit la neige carbonique qui recule peu à peu vers le pôle. Si vous regardez bien, vous voyez toute l'étendue des tempêtes de poussière qui s'étendent depuis les neiges carboniques martiennes. Alors, quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est qu'il y a toute une zone ici qui est très sombre. On voit qu'on peut découper l'étendue des neiges en deux parties. La partie ici en haut qui est sombre, et la partie du bas qui est blanche. Toute cette zone-là est recouverte de neige carbonique. La neige carbonique est plutôt brillante. Si on zoome sur ces zones, voilà ce qu'on voit. C'est l'animation qui a défilé. On part d'une zone plutôt blanche et on voit des taches sombres qui apparaissent à la surface. Alors ça a beaucoup intrigué les scientifiques qui ont appelé cette zone la région cryptique. Parce que cryptique, ça fait un petit peu étrange. Le mot est un peu bizarre. Mais voilà. Cryptique, compte de la crypte, je ne sais pas trop. Bref, on a des traçons comme ça qui apparaissent à la surface, qui deviennent un peu blanches un peu plus tard, et puis qui continuent de s'assombrir encore un peu plus tard dans la saison. Que se passe-t-il à cet endroit-là? Alors encore une fois, un mystère martien à résoudre. Il se passe que la glace de CO2, en fait, est assez transparente à cet endroit-là.
Ce qui fait que la lumière solaire va traverser la couche transparente de CO2 et va venir réchauffer le sol poussiéreux qui est en dessous, qui est beaucoup plus sombre. La neige de CO2, en fait, enfin la glace, on peut parler ici de glace de CO2, cette glace de CO2, elle se sublime par en dessous. Ce qui fait que sous la glace, la pression de CO2 augmente. Jusqu'à un moment où la pression sera telle que la glace va céder, elle va se casser, et on aura un pchit, une dépression. On aura finalement comme une bouteille de champagne qu'on déboucherait, une surpression qui s'évacue et qui entraîne de la poussière. Et ce que vous voyez là, en fait, ce sont des traces laissées par des geysers de poussière pendant l'hiver martien, pendant le printemps martien. Voilà à quoi ça ressemblerait, en fait, si on était sur Mars à cette période. Donc, si vous allez faire des randonnées glaciaires, évitez également d'arriver pendant cette période. Ça peut, enfin, ou alors, en tout cas, prenez vos précautions, regardez bien à quel endroit les geysers risquent d'apparaître. Alors, il y a d'autres phénomènes également qui sont dus à cette fameuse neige carbonique, notamment une découverte très récente qui a été faite par un collègue parisien. On sait depuis les années 2000 qu'il y a des ravines à la surface de Mars. Ces ravines ont été photographiées à haute résolution par la sonde NRO, la sonde américaine NRO. Les photos ici ont une résolution de 25 cm. Ça veut dire que si, par exemple, cette table était posée sur Mars, on la verrait aisément. Même leur bon ordinateur sur Mars serait visible sur les photos satellites. Donc, maintenant, si des martiens se cachent sur Mars, on est sûr de les voir. On a la résolution largement suffisante pour les voir et on les a pas vus. D'accord ? C'est ce qui se cache. Ou alors, ils ont une cape couleur rouille et ils se cachent en dessous. Je vais arrêter là les spéculations. Et donc, ce qu'on observe dans ces fameuses ravines, c'est qu'elles sont en train de se creuser à l'heure actuelle. Alors, on sait que sur Mars, il n'y a pas d'eau liquide. Et quand on voit pourtant ces ravines se creuser, on dirait que c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a de l'eau qui coule d'une année à l'autre. Alors de nombreux chercheurs ont fait des études, ont essayé de réfléchir à comment de l'eau pourrait devenir liquide dans les conditions actuelles de pression et température martienne. Et les spéculations sont allées bon train. Et en fait, ce qui se passe, finalement le scénario le plus probable, c'est que ces ravines, elles se creusent au printemps, lorsqu'il y a la formation de ces fameux geysers. Lorsqu'on est sur les pentes, le soleil donc, vient chauffer la glace se sublime par en dessous, la pression augmente. La pression d'ailleurs peut augmenter jusqu'à plusieurs fois la valeur de la pression atmosphérique, jusqu'à 8 fois la valeur de la pression atmosphérique. Et le sol va se retrouver complètement déstabilisé par cette surpression, et le sol va couler vers le bas. Et donc on aura des coulées un peu à la manière de coulées pyroclastiques. Alors attention, l'analogie avec les coulées pyroclastiques s'arrête au fait que c'est du sable qui est fluidifié par un gaz, mais c'est absolument pas un phénomène volcanique. Tous les pyroclastiques sont volcaniques, ici, on est dans un phénomène glaciaire avec mobilisation de sable fluidifié par le CO2 sous pression. Et donc on va avoir comme ça formation de ravines, donc évolution du paysage martien à l'heure actuelle. Alors, une autre question qu'on peut se poser, qu'on étudie à Grenoble avec mes collègues, c'est comment est-ce que la neige carbonique, puisqu'on a parlé de précipitation de neige carbonique, comment cette neige carbonique peut se transformer en glace carbonique transparente. Hein, je rappelle, si vous marchez sur Mars en hiver, au printemps, vous verrez qu'on peut voir la surface à travers. C'est vraiment une glace, une vitre. Et alors, ce que les scientifiques ont développé comme théorie, c'est que les petits grains de neige, sous l'effet du réchauffement de l'énergie solaire, assez rapidement, ces grains vont croître jusqu'à ce qu'ils forment de la glace. On a fait l'expérience en laboratoire en conditions partielles de pression et de température, donc à basse pression et basse température. On a déposé de la neige carbonique et on a vu apparaître, lorsqu'on réchauffait très légèrement la cellule, radiativement, qu'on avait de la glace qui se formait, de la glace très transparente. Photographiée par au-dessus, ça donne ça. Donc voilà à quoi ressemblerait la glace carbonique martienne observée au printemps. On a cette croûte de glace avec des gros cristaux de glace. Et qui est suffisamment transparente, enfin, un petit peu translucide quand même, mais pour voir l'intérieur. J'en ai fini avec le cycle du CO2, je vais passer au dernier cycle du climat actuel, qui est le cycle de l'eau sur Mars. Il y a très peu d'eau dans l'atmosphère de Mars, on a 0,03%, et pourtant on mesure, grâce aux sondes en orbite, de fortes variations de la quantité d'eau dans l'atmosphère. L'atmosphère de Mars est très peu humide, mais parfois elle est plus humide qu'à d'autres moments. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est déjà que l'eau liquide n'est pas stable à la surface de Mars. Si on positionne sur ce diagramme pression-température les conditions martiennes, on voit que l'eau sur Mars est soit solide, soit sous forme de vapeur d'eau gazeuse.
Il faut aussi savoir que la glace d'eau est moins volatile que la glace de CO2. Si vous mettez de la neige carbonique et de la neige d'eau à la surface de Mars, la neige carbonique va disparaître plus vite. Elle va retourner plus vite à l'état de vapeur que la neige d'eau. La neige d'eau est plus stable à la surface de Mars. Alors, voici les cartes qu'on étudie, les cartes de contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère. Ces cartes sont un peu particulières. On a l'axe vertical qui vous donne la latitude. On est donc ici au niveau du pôle Nord et là au niveau du pôle Sud. Par contre, l'axe horizontal, c'est un axe temporel. C'est l'axe des saisons, finalement. Ça veut dire que chaque bande verticale de données correspond à une moyenne sur toute la planète. Vous avez l'état de l'atmosphère, verticalement, vous avez l'état de l'atmosphère en fonction de la latitude à un moment donné dans la saison. Ce qui permet de voir comment évolue l'atmosphère de l'été à l'automne, de l'été à l'automne, à l'hiver, au printemps, etc., dans le nord et dans le sud. Alors ce qu'on remarque, déjà, c'est que l'atmosphère n'a pas toujours le même contenu en vapeur d'eau. Ce que vous voyez, les couleurs correspondent à l'humidité dans l'atmosphère de Mars. On voit qu'on a une très forte humidité au niveau du pôle nord en été, et au contraire, une humidité très faible au niveau de l'équateur pendant l'automne, l'hiver et le printemps martien. Alors, pour expliquer ça, il faut aller étudier un petit peu les processus qui se passent à la surface. Que se passe-t-il au niveau de l'été dans l'hémisphère nord? Dans l'hémisphère nord de Mars, au niveau du pôle, vous avez une calotte de glace. Une calotte, finalement, qui représente 3% de la glace qu'on a dans l'Antarctique. C'est un réservoir de glace qui fait 3 km de haut, une sorte de glacier géant, qui fait 3 km de haut de glace, qu'il a depuis des millions d'années. Lorsqu'on est en été, cette calotte de glace se sublime. Et l'eau passe dans l'atmosphère. C'est pour ça que l'humidité augmente au-dessus de la calotte. Et cette eau est transportée vers le sud. C'est ce qui correspond à cette sorte de langue verte. L'eau part de la calotte et, au cours de l'été, descend vers l'équateur. Lorsque cette eau arrive dans les régions équatoriales, elle va monter en suivant les flux ascendants de la cellule de Hadley, un peu comme ce qui se passe sur Terre d'ailleurs, et cette eau va se refroidir, cette vapeur d'eau va se refroidir. Il va se former à un moment donné des nuages. Vous avez ici des nuages sur le flanc de la montagne Olympus Mons, du volcan Olympus Mons. Alors, des nuages martiens, on en observe assez régulièrement. Ces nuages, en fait, ce sont des cirrus, des nuages, des cristaux de glace très très petits, qui forment, comme sur cette image d'opportunité, voilà des filaments, d'autres photographies ici. Et on a même des vidéos de nuages martiens filmés par Phénix, la sonde Phénix, qui a atterri dans les régions polaires de Mars. J'ai d'autres vidéos à vous montrer ici. Donc, des cirrus qui sont plutôt linéaires, des nuages un peu plus massifs, un peu plus touffus, hein. Et puis d'autres ici qui circulent dans l'autre sens. On voit d'ailleurs à cet endroit-là un nuage apparaître à un moment. Voilà, la température devient suffisamment basse pour que le nuage apparaisse. On a comme ça des vidéos de nuages qui se baladent dans le ciel martien. Alors ces nuages survolent le ciel martien pendant certaines périodes préférentielles, et lorsque la température descend suffisamment, la vapeur d'eau dans l'atmosphère retourne à la surface. On va avoir formation d'un givre d'eau. J'ai parlé tout à l'heure de glace carbonique. On peut avoir de la glace carbonique à la surface de Mars et aussi de la glace d'eau sous forme de givre d'eau. Tout à l'heure, quand je parlais de glace carbonique, c'était des glaces très massives. La neige carbonique et la glace carbonique qui se forment sur Mars, ça fait des dépôts qui vont de 1 à 2 mètres. C'est quand même un dépôt assez important, un peu comme ce qu'on a sur Terre quand il neige dans les stations de ski, par exemple. Tandis que le givre d'eau, étant donné qu'on a très très peu dans l'atmosphère, lorsque ça se condense, ça fait un givre qui est épais de 10 à 200 microns, donc pas plus de 0,2 mm d'épaisseur. On parle ici de condensation, un peu comme finalement le givre qui se condense sur les pare-brises la nuit. On peut aussi avoir des chutes de neige. On voyait les nuages là, qui se baladent dans le ciel martien, bah, parfois, de ces nuages, les cristaux grossissent et sont suffisamment lourds pour tomber jusqu'à la surface. Cette mesure a été faite par la sonde Phénix, donc qui s'est posée dans les latitudes polaires de Mars. Elle a, grâce à son lidar, elle a mesuré qu'il y avait un nuage à 4 km à peu près d'altitude, et puis que de ce nuage, on avait des filaments qui tombaient, qui correspondent en fait à des cristaux de neige qui sont en train de tomber. Ça ressemble finalement, sur Mars, là, ça ressemblerait un peu à lorsqu'on, tout à l'heure, quand je suis venu ici à la nef, il y avait des nuages, et on voyait des filaments de pluie qui étaient en train de tomber, quand on voit des rides de pluie. Sur Mars, ce n'est pas de la pluie, ce serait des rides de neige qu'on verrait tomber. Alors, une petite question qu'on peut se poser à ce moment-là, mettons-nous là, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut distinguer la neige carbonique et la neige d'eau. Parce que neige,
carbonique et gazeux, finalement, c'est blanc. À l'œil nu, on n'arriverait pas à les distinguer. Alors, on pourrait poser sa main dessus et distinguer une température de moins 70 degrés et une température de moins 130 degrés. Dans les deux cas, ça pique, hein, mais avec un petit thermomètre, on arriverait facilement à mesurer. L'autre mesure qu'on fait, et que j'ai fait pendant ma thèse, c'est d'utiliser la spectroscopie infrarouge. Alors, la spectroscopie infrarouge consiste en fait à photographier la surface de Mars dans différentes longueurs d'onde, dans différentes couleurs de l'infrarouge. On observe la surface à différentes longueurs d'onde. On obtient pour chacun des pixels de l'image ce qu'on appelle un spectre, donc l'évolution de la quantité de lumière qui est réfléchie par la surface en fonction de la longueur d'onde. Et on a des sortes de creux qui apparaissent à certaines longueurs d'onde, qu'on appelle des bandes d'absorption, qui correspondent à différentes espèces chimiques. Ça peut être la glace d'eau, ça peut être la glace de CO2. Et en regardant si sur Mars on a les bandes de la glace de CO2 ou les bandes de la glace d'eau, ou aucune des deux, on peut savoir quelle est la composition de la surface. C'est une sorte de carte d'identité de la surface. Grâce à ça, on peut faire des cartes de répartition de la glace. Tantôt la glace de CO2, tantôt la glace d'eau. Voilà les cartes que j'avais faites en thèse. Vous avez à gauche en fait une carte noir et blanc de ce qu'on verrait de la surface avec nos yeux, un micron, donc plutôt dans l'infrarouge proche. Et à droite, une carte de la répartition en bleu ciel de la glace de CO2, mélangée d'ailleurs un petit peu à la glace d'eau, et en bleu foncé de la glace d'eau pure, je dirais. Donc uniquement de la glace d'eau. Vous avez une grosse partie de glace carbonique, et puis autour un petit peu de glace d'eau. Alors, les cartes sont réalisées régulièrement. Vous voyez d'ailleurs qu'on n'a pas une couverture parfaite des régions polaires. Les photos sont faites, mais ne recouvrent pas toute la surface. Et on peut regarder l'évolution en fonction du temps. Ce qu'on remarque, c'est que les dépôts saisonniers reculent vers le pôle nord qui est situé au centre ici. D'autre part, on remarque que le bleu domine progressivement. On dit que la signature spectrale de la glace d'eau domine progressivement, alors que la surface, on sait grâce à nos mesures de température, qu'elle est toujours recouverte de glace de CO2. Ça, c'est assez étrange, c'est finalement l'un des domaines privilégiés d'études que j'ai mené en thèse. Pourquoi est-ce que la surface est recouverte de glace carbonique et c'est de la glace d'eau qu'on voit? Voilà, c'est un peu antinomique. Alors l'idée, le scénario qu'on a développé au laboratoire, c'est que la glace carbonique, elle contient de l'eau. Lorsque la glace carbonique s'est formée, elle a piégé de l'eau qui était contenue dans l'atmosphère. Et lorsque la glace carbonique se sublime, lorsque ce manteau de neige carbonique se sublime, il va libérer les petits flocons de glace d'eau qui étaient contenus à l'intérieur. Cette glace d'eau peu à peu s'épaissit, et au bout d'un moment, elle masque la glace de CO2 qui était en dessous. Et vous avez, du coup, dominance de la signature bleue ici correspondant à la glace d'eau. Donc on réussit comme ça à cartographier les neiges sur Mars et à déterminer quelle est la stratigraphie des neiges au cours du temps. Alors, on peut faire ici un schéma qui représente en coupe la calotte. Vous avez la calotte permanente ici, et puis en bleu ciel, vous avez la neige carbonique qui recouvre la calotte. Tout au bout ici, vous avez ce qu'on appelle un anneau de glace d'eau. C'est ce fameux anneau ici composé uniquement de glace d'eau. Et cet anneau de glace d'eau va se sublimer, et la neige d'eau peut également retourner sur la neige carbonique. Vous avez deux phénomènes en fait. La vapeur d'eau qui est libérée par l'anneau peut venir se piéger sur la glace carbonique qui est très très froide. Et d'autre part, lorsque la glace carbonique se sublime, elle va libérer de la glace d'eau qui reste à la surface. Bon, je ne vais pas rentrer plus en détail, simplement vous montrer l'évolution de la neige carbonique qui recule peu à peu vers le pôle, avec formation de ce manteau de neige d'eau très très fin, mais qui suffit à masquer le CO2. Lorsqu'on arrive à la fin du printemps, lorsque toute cette neige carbonique et cette neige d'eau a reculé, eh bien on observe que l'eau finalement est retournée sur la calotte. Je vous rappelle que la calotte permanente nord, c'est celle qui libère la vapeur d'eau en été. Et puis là, on voit que la vapeur d'eau, peu à peu, retourne jusqu'à la calotte. Donc, notre cycle saisonnier de l'eau s'est bouclé. Voilà, il a réussi à revenir à son point de départ. Lorsque la calotte se sublime en été, on réinjecte de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui va se recondenser lorsque la température rebaissera. Le but de ma thèse est d'étudier finalement ce cycle. Et voilà, donc on arrive à la fin du cycle saisonnier avec retour de la glace d'eau sur la calotte. Alors, une des questions que se posent les scientifiques à l'heure actuelle pour ce qui est de la calotte permanente nord de Mars, c'est est-ce qu'actuellement elle est en train de s'épaissir ou plutôt de s'amincir. On sait qu'en Antarctique, par exemple, lorsqu'on fait des carottages, tantôt la calotte de l'Antarctique s'épaississait, tantôt elle s'amincissait en fonction des fluctuations de température. À l'heure actuelle, malheureusement, elle serait plutôt en train de reculer du fait du réchauffement climatique. Sur Mars,
Lorsqu'on photographie la calotte, vous avez ici une photo de la calotte nord, qui, je le rappelle, fait 3 km d'épaisseur. Lorsqu'on zoome sur le flanc de la calotte, on voit des strates comme ça, qui correspondent à une sorte de carotte de glace vue par la tranche. Et donc, c'est un millefeuille de glace et de poussière qui permet de remonter jusqu'à 5 millions d'années d'archives climatiques. Et lorsqu'on regarde la surface de la calotte, on voit une texture comme ça, un peu en creux et en bosse, qui indiquerait que la calotte serait peut-être en train de s'éroder par endroits. Mais à d'autres endroits, par contre, on voit des zones qui restent plutôt brillantes, comme ici, tout l'été. Et ces zones-là seraient plutôt des congères qui seraient en train de s'accumuler. Donc à l'heure actuelle, sur Mars, la calotte, je pense, en tout cas, ça c'est mon avis, des recherches qu'on est en train de mener, elle est en train de s'éroder plutôt vers le cœur et de se grossir plutôt sur la périphérie. Voilà. Donc une calotte qui est encore en évolution, qui n'est pas figée. Au niveau de la calotte sud, on a des phénomènes un peu différents. On a parlé de la calotte nord, mais la calotte sud est différente. Dans les manuels d'histoire, enfin de sciences qu'on peut consulter des années 1980, vous lirez que la calotte permanente sud de Mars, elle est composée de glace carbonique. À l'époque, l'idée c'était que la calotte nord c'était de la glace d'eau et la calotte sud c'était de la glace carbonique. Eh bien en fait, ces manuels ont tort, mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est simplement que les technologies à l'époque n'étaient pas suffisantes pour connaître la vérité. Ce qui se passe en fait au niveau de la calotte permanente sud de Mars, c'est qu'on voit effectivement de la glace de CO2 sur la calotte, mais qu'on voit aussi de la glace d'eau en périphérie de la calotte. Et cette glace d'eau, en fait, elle est située sous la glace carbonique. Au niveau de la calotte sud de Mars, on a finalement une couche de 14 mètres à peu près de glace carbonique, qui est là en permanence, qui est là tout l'été comme hiver. Et sous cette couche de glace carbonique, que j'ai présentée ici en pointillé, on a un gros réservoir de glace d'eau, assez équivalent finalement à la glace d'eau qu'on a dans l'hémisphère nord, dans la calotte nord. Vu de près, ça ressemble à ça. Les photos vues au satellite montrent ça. C'est ce qu'on appelle le Swiss cheese, hein. Encore une fois, les scientifiques martiens ont de l'imagination quant aux textures, au nom des textures qu'on donne. Donc c'est le fromage suisse. Vous avez, rien à voir avec le fromage, hein, c'est pas du tout des spectres de fromage, ce sont des spectres de neige carbonique. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des surfaces lisses, creusées comme ça, avec une surface un peu plus sombre, un peu plus rugueuse en dessous. Les surfaces lisses, en fait, ici, correspondent à la neige carbonique, c'est cette neige ici que j'ai représentée en pointillé. Tandis que la surface sombre, bah, c'est la glace d'eau qui est située sous la glace carbonique et qui apparaît lorsque la glace carbonique se sublime. Et on a des trous, en fait, ici, des cavités qui se creusent et qui laissent apparaître la glace d'eau. Voilà. C'est encore une fois assez spécial. Si vous baladez sur ces terrains, vous verriez des falaises de glace carbonique et avec un plancher qui serait composé de glace d'eau. Alors, la calotte sud de Mars, elle est composée donc en surface de glace carbonique et la glace carbonique est très froide. Dès que vous avez de l'humidité dans l'air, cette humidité est piégée sur la glace carbonique. Ce qui fait que l'hémisphère sud de Mars est pauvre en vapeur d'eau, parce que cette vapeur d'eau est piégée sur la calotte, tandis que l'hémisphère nord de Mars est plus riche en eau. Encore une fois, c'est l'un des éléments importants du climat actuel de Mars. Dernière chose à laquelle je souhaite vous présenter sur le cycle saisonnier de l'eau, c'est la question des fameuses coulées d'eau liquide dont on a entendu parler assez récemment dans l'actualité. On a dû vous dire, pour la xième fois, on a découvert de l'eau sur Mars. Ça, c'est une découverte assez récurrente depuis les années 70. En fait, toutes ces découvertes ont un sens. Hein. Mais quand on vous dit on a découvert de l'eau sur Mars, c'est simplement qu'on a découvert un nouveau réservoir d'eau sur Mars. Au début, quand on a dit on a découvert de l'eau sur Mars, on avait en fait observé la calotte permanente nord de Mars. On avait vu un gros réservoir de glace sur Mars. Ensuite, quand on a dit on a découvert de l'eau sur Mars, c'était la vapeur d'eau qu'on avait découvert dans l'atmosphère de Mars. Puis ensuite, c'était plutôt l'eau qui était collée dans les minéraux. Voilà. Sur la surface des minéraux, on a un petit peu de vapeur d'eau qui est collée, etc., etc., etc. Et la découverte finalement la plus récente, c'est que quand on parle d'eau, cette fois, on peut parler également d'eau liquide. Alors ça va un peu en contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'eau liquide n'était pas stable sur Mars, et pourtant, l'eau liquide serait le candidat privilégié pour former ces structures à la surface de Mars, qui sont trop sombres en fait, pour être de la poussière. Alors que se passe-t-il en fait au niveau de ces régions? On a un phénomène qu'on appelle de déliquescence. Le phénomène de déliquescence, c'est la captation par des sels, qu'on appelle hygrophiles, de molécules d'eau qui sont présentes dans l'atmosphère. Vous avez ici des petites pastilles de NaCl, de sel, de chlore de sodium, qu'on laisse dans une atmosphère humide, et ces sels vont capter l'eau. C'est le même phénomène qu'on utilise avec les lampes à sel
pour assécher l'atmosphère des pièces. Si vous mettez votre lampe à sel dans une atmosphère humide, vous sentirez au bout de quelques moments, de quelques minutes, que sa surface est un peu humide, parce que le sel a capté l'eau. Ce qui se passe sur Mars, c'est qu'en fait, la surface contient des sels, qu'on appelle des perchlorates. Et ces sels, lorsque l'atmosphère est humide, eh bien, ces sels vont capturer l'eau. Ils vont former des sortes de gouttelettes comme ça, des gouttelettes qui vont devenir de plus en plus lourdes jusqu'à ce que l'écoulement se fasse et qu'on ait voilà, ces ravines qui se fassent. Alors, ça n'a rien à voir avec les ravines dont je parlais tout à l'heure formées par la glace carbonique. Hein. C'est totalement différent. Ici, ce sont des petites coulissons d'eau liquide extrêmement salée à la surface de Mars. Alors, certaines personnes se sont enthousiasmées en disant « Ah, super, on a de l'eau liquide sur Mars. On va peut-être pouvoir découvrir finalement de la vie sur Mars. » On a de l'eau liquide, c'est l'un des éléments essentiels pour que la vie apparaisse. Bon, déjà, je vais tempérer leurs ardeurs, puisque d'une part, cette eau liquide n'est présente que quelques jours dans l'année, ensuite le sol redevient extrêmement sec, et d'autre part, problème beaucoup plus important, c'est celles qui sont des perchlorates, qui contiennent du chlore. Or, quand on met du chlore dans l'eau, généralement, c'est qu'on est en train de verser de l'eau de Javel dans l'eau, on utilise ça pour désinfecter notre maison, donc pour tuer les bactéries. Donc c'est pas, je pense, le meilleur endroit pour aller chercher des bactéries sur Mars, d'accord ? Une eau extrêmement chlorée est très néfaste pour le développement des bactéries. En résumé, pour ce qui est du climat actuel de Mars, il faut retenir qu'il y a trois cycles. Le cycle de la poussière, qui va jouer sur la température de l'atmosphère. Plus l'atmosphère est riche en poussière, plus elle est chaude. Le cycle saisonnier du CO2, avec cette neige carbonique qui tombe à la surface l'hiver, qui influe sur les variations de pression dans l'atmosphère. Et enfin, le cycle saisonnier de l'eau, avec des brumes qui peuvent se former à basse altitude, des nuages et puis des précipitations d'eau qui font varier l'humidité dans l'atmosphère. Voilà les trois cycles qui contrôlent le climat martien. Mais si vous vous baladez sur Mars, virtuellement hein, pour l'instant, vous observerez qu'il y a des reliefs qui attestent de la présence d'eau liquide en présence très importante, en quantité très importante dans le passé. Mars a toujours été une planète froide. Quels étaient les climats dans le passé? Pour ça, il faut aller chercher la réponse dans les reliefs. On a fait un peu de physique ici, on va maintenant s'intéresser plutôt à la géologie en fait de Mars. Voici une carte topographique de Mars, une carte d'altitude. Vous avez en fait en bleu les régions qui sont à basse altitude, je vais les donner ici. En bleu, donc on a tous les terrains qui sont à moins 4 km par rapport au niveau moyen de Mars. Et en jaune, rouge, marron et blanc, on a tous les terrains qui sont à plus haute altitude, plutôt dans l'hémisphère sud de Mars. On remarque notamment ici des volcans, ici un canyon, ici des énormes cratères qu'on appelle les bassins d'impact. On voit qu'on a ici une province volcanique, une autre province volcanique, etc., etc. La première chose qu'on remarque quand on regarde la carte de loin, comme ça, c'est qu'on a un hémisphère nord plutôt à basse altitude, un hémisphère sud plutôt à haute altitude. On n'a pas ce genre de choses sur Terre. Sur Terre, si je vous montrais la carte d'altitude, vous auriez le fond des planchers océaniques à basse altitude et puis les continents qui sont à plus haute altitude. Alors, comment expliquer ce plancher à basse altitude de l'hémisphère nord? On pourrait penser que c'est un plancher océanique avec un ancien océan ici. Il n'en est rien, a priori, d'après les modèles de formation de la planète. À cet endroit-là, il y aurait plutôt eu un impact, tout au début de l'histoire de la planète de Mars, un impact qui aurait volatilisé, soufflé, en fait, la croûte martienne de l'hémisphère nord. Voilà. C'est ce qui explique à l'heure actuelle le mieux cette dichotomie entre l'hémisphère nord à basse altitude et l'hémisphère sud à haute altitude. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que les hautes plaines de l'hémisphère sud, les highlands, comme on dit en anglais, de l'hémisphère sud, sont très fortement cratérisées. Or, en géologie planétaire, lorsqu'on voit des terrains cratérisés, c'est que ce sont des terrains qui sont anciens. Lorsque vous avez des cratères qui se forment, eh bien, ils vont persister jusqu'à ce qu'ils soient soit érodés par le vent, soit recouverts par des sédiments si de l'eau arrive, soit, je ne sais pas, sur Terre, par exemple, envahis par la végétation qui remobilise les sols. Sur Mars, il n'y a pas de végétation, l'eau liquide a coulé, mais pas suffisamment, ce qui fait que les cratères ont réussi à résister longtemps. Voilà une photo, par exemple, de ces cratères. L'autre phénomène important sur Mars, c'est qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Or, la tectonique des plaques, c'est l'un des phénomènes sur Terre qui est responsable du renouvellement des sols. On trouve, en fait, sur Terre, très peu de terrains très anciens. Les terrains les plus anciens ont 3 milliards d'années, il me semble, ils ne sont pas beaucoup plus anciens. Sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Et l'érosion est quasiment uniquement éolienne. Ce qui fait qu'on trouve 384 000 cratères de plus d'un kilomètre sur Mars, tandis que sur Terre, on en a 157 cratères de plus d'un kilomètre.
Donc une sacrée différence de quantité de cratères sur Mars. Mars est ainsi le paradis des géologues, parce que c'est un livre ouvert sur 4 milliards d'années d'évolution de la planète. On peut remonter comme ça dans le temps en étudiant les reliefs martiens. Alors, l'hémisphère sud de Mars, c'est le plus cratérisé de Mars. C'est donc ça représente donc les terrains qui sont les plus anciens de Mars. C'est dans ces endroits-là qu'on remonte le plus dans le temps. Et qu'observe-t-on dans ces terrains? Eh bien, on observe des vallées. Les vallées qui sont beaucoup plus grandes que les ravines que je vous présentais tout à l'heure, ou que les petits écoulements d'eau salée. Ces vallées, représentées ici et représentées là, elles ont des méandres. Elles ont été formées en fait par l'écoulement d'eau liquide pendant des millénaires, par des précipitations d'eau qui ont eu lieu lorsque le climat était bien différent de celui qu'on connaît actuellement. Le débit est comparable à celui de la Loire ou de la Seine pour former les réseaux de vallées qu'on voit ici. On pourrait comparer ça par exemple à la vallée ici du Vior dans l'Aveyron, voilà, avec différents méandres qui viennent se rejoindre dans cette vallée principale. On observe également des deltas. Vous avez un delta ici qui arrive en aval de cette vallée, qui a érodé le flanc d'un cratère. Autre delta ici observé dans le cratère Eberswald. Qui dit delta dit également écoulement d'eau liquide pendant suffisamment de temps pour que les sédiments s'accumulent. L'image serait ici équivalente au delta du Nil, voilà, au delta du Gange. Donc tout cela atteste d'un climat qui était plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui. Il y a entre 3,7 et 4,5 milliards d'années, eu un climat très différent sur Mars de celui qu'on connaît actuellement. Alors, les météorologues, voilà l'image qu'on aurait de Mars à cette époque, une Mars bien différente. D'ailleurs, vous notez que là, Mars n'est pas représenté en rouge, parce qu'à l'époque, elle n'est pas encore rouillée. On verra comment s'est formée cette rouille au cours des millénaires. Mars, en fait, aurait été donc plus chaud et plus humide. Et les météorologues, notamment l'équipe de météorologie de Paris, en fait, qui est spécialisée dans l'étude de Mars, a essayé de reproduire ce climat chaud et humide sur Mars. Et là, elle s'est dit, eh bien, sur Mars, actuellement, la pression est très basse, l'effet de serre est très faible, donc il y a dû avoir, il y a 3 milliards d'années, beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. L'effet de serre a dû être beaucoup plus important pour que Mars soit aussi chaude. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à reproduire ce climat-là. Le climat qu'on arrive à reproduire, même en injectant beaucoup de CO2, c'est un climat froid et glacé. Donc l'image qu'il faut avoir de Mars actuellement, d'après les études qui sont menées, c'est que Mars aurait plutôt été recouvert par une sorte de banquise gigantesque, par des glaciers gigantesques, et sous ces glaciers, on aurait eu des vallées avec des méandres, etc., qui se seraient formées. Mais une Mars qui serait restée quand même assez froide. Alors, dans ces terrains, on peut analyser la composition des roches. Ce qu'on voit, c'est qu'on a d'épaisses couches d'argile. L'argile, c'est finalement de la boue qui aurait séché. Ces argiles, elles se forment en présence d'eau liquide stable, donc stagnante, et neutre, avec un pH qui vaut environ 7. Si le pH augmente ou si le pH diminue, ça va être d'autres minéraux qui vont précipiter. On voit ici, au fond de la vallée Morse-Vallis, des centaines de mètres donc d'épaisseur d'argile accumulée pendant des millénaires. Curiosity est posé dans le cratère de Gale, et on va retourner le voir, parce que Curiosity, il a été posé pas par hasard. On l'a posé dans le cratère de Gale parce que Gale a un intérêt pas uniquement photogénique, je dirais, mais également, évidemment, minéral. Gale, en fait, a hébergé, il y a longtemps, des vallées qui ont coulé et qui ont formé un delta, ce fameux delta que je vous montrais en photo. Donc au fond du cratère Gale, on a eu, à une époque, accumulation de sédiments. L'étoile indique là où on a posé Curiosity, donc tout au bout du delta. Et lorsque Curiosity a fait ses premiers tours de roue, il est arrivé sur des plaques d'argile. Plaques d'argile qui témoignent d'un climat plus humide à l'époque. Alors ces plaques d'argile sont assez épaisses. Ici, j'en ai montré juste une petite section de 40 cm, mais en fait, elles s'étendent en profondeur. Et on voit notamment sur ce panorama de Curiosity des plaques d'argile qui sont toutes inclinées vers l'intérieur du cratère. Donc en fait, qui s'enfoncent dans le sol, comme ça, qui ont été après qu'elles se soient formées, elles se sont inclinées sous l'effet de, sans doute, de l'accumulation de charge au-dessus d'elles. Et puis on voit qu'elles s'accumulent comme ça au fond du cratère. L'épaisseur est sans doute de plusieurs dizaines à centaines de mètres d'argile accumulée.
Et les scientifiques en ont déduit que l'eau avait été présente pendant des dizaines de millions d'années dans le cratère de Gaïa, qui ressemblait sans doute à l'époque à quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, là, on imagine un climat chaud et humide, des oasis, etc. Rien de tout ça. À l'époque, c'était sans doute plutôt recouvert de glace, et le lac était un lac sous-glaciaire. On voyait qu'en haut, là, j'ai mis une frise qui indique les différentes aires martiennes. Sur Mars, on n'a pas utilisé les mots jurassiques, etc., etc. On a utilisé noachien, hespérien, amazonien par rapport au nom des différentes régions martiennes typiques de ces époques. Le noachien, la période dans laquelle on avait des sédiments qui se formaient en milieu aqueux, a duré de moins 3,5 milliards d'années à moins 3,7 milliards d'années. Après cette époque, on est passé à l'hespérien, de moins 3,7 milliards d'années à moins 3 milliards d'années. Cette période est différente du noachien, principalement parce qu'on a beaucoup moins d'eau liquide à la surface. Alors, si c'est passé à part cette non-présence de liquide, enfin cette présence plus faible de liquide, c'est notamment des phénomènes volcaniques. On a eu formation du dôme de Tarsis pendant cette époque. On a eu résurgence, en fait, de grandes quantités de lave qui ont poussé sous la croûte, du manteau vers la croûte, et qui ont formé un énorme dôme volcanique. Notamment formation du volcan Olympus Mons, qui est un volcan qui fait 21 km de haut, c'est le plus haut volcan du système solaire, et 600 km de large, c'est-à-dire s'il avait poussé sur la France, voilà ce que ça aurait donné. Situez votre ville, et imaginez où... voilà, vous en y étiez. La Bretagne, fort heureusement, était pas. Voilà. Alors, ce volcan était, d'après les géologues, encore actif il y a 2 millions d'années. Par rapport aux échelles de temps géologiques, c'est quasiment rien. C'est vraiment quasiment rien, 2 millions d'années. Donc, ce volcan, finalement, est assez jeune à l'échelle des temps. Alors, ce dôme, quand il s'est formé, a provoqué de fortes contraintes sur la croûte et a déchiré la croûte pour former ce qu'on appelle Valles Marineris, qui est une gigantesque vallée, un gigantesque rift martien. Le Grand Canyon américain serait un petit embranchement ici, en comparaison. Donc encore une fois, ça prouve le gigantisme des structures martiennes. Alors, un autre effet que ce dôme volcanique a été récemment découvert par Sylvain Boulet, qui est un géologue parisien. Il a observé comment les réseaux de vallées sont disposés. Il a remarqué qu'ils étaient disposés comme ça, de façon inclinée. Et c'est assez étrange. Normalement, les réseaux de vallées se forment plutôt sur l'un des tropiques, d'après les modèles météo. Et donc, il s'est dit, si on incline Mars sur son axe et qu'on change l'axe, eh bien, les réseaux de vallées se retrouvent, comme attendu, au niveau des tropiques. Ce qui s'est passé, en fait, le scénario privilégié, c'est que lorsque les réseaux de vallées se sont formés, ils étaient au niveau des tropiques, Tarsis a poussé, et la masse était telle que la croûte a pivoté sur le manteau. Si bien que les réseaux de vallées se sont retrouvés tantôt au-dessus de l'équateur, tantôt en dessous. Voilà. Donc encore une fois, un phénomène assez gigantesque de basculement de la croûte de Mars à l'Hespérien. Et on arrive au point le plus important de cette évolution climatique martienne, on va arriver au climat présent. Donc c'est le changement climatique brutal de Mars, assez brutal de Mars, qui a impacté toute l'histoire de Mars finalement par la suite. C'est donc ce passage d'un climat plutôt humide et glacé à un climat beaucoup plus froid et sec. Alors Mars, qui est plus petit que la Terre, s'est refroidi plus vite que la Terre. De ce fait, le noyau martien s'est arrêté de tourner. Au départ, le noyau martien était comme celui de la Terre, liquide, il s'est arrêté de tourner. De ce fait, le champ magnétique martien s'est arrêté de fonctionner et Mars s'est fait éroder par le vent solaire. Donc vous avez ici une animation avec le vent solaire qui arrive sur Mars. Tant que son champ magnétique était actif, elle était protégée du vent solaire, mais peu à peu le champ magnétique s'est affaibli, et Mars a subi l'impact du vent solaire. Alors la pression atmosphérique a baissé, l'effet serre a diminué, et finalement le liquide est devenu instable, et le climat est devenu froid et sec. Voilà. Alors la sonde Maven, qui est une sonde américaine, actuellement, sonde l'atmosphère martienne et mesure le taux d'échappement de l'atmosphère à l'heure actuelle, dû à cette érosion par le vent solaire. Elle mesure qu'il y a 10 grammes d'atmosphère qui partent chaque seconde sur Mars. Mars a perdu 180 millibars de pression depuis 3,5 milliards d'années. Et si on prend ces 10 grammes par seconde et qu'on les multiplie par le nombre de fois qu'il faut pour arriver à 3 milliards d'années, on arrive à une perte de seulement 20 millibars de pression, ce qui est assez étonnant.
Comment faire pour perdre ces 180 millibars, sachant que le vent solaire serait uniquement responsable de 20 millibars de perte? Les scientifiques ont été témoins en fait d'une éjection de masse coronale le 8 mars dernier, donc des particules solaires qui sont venues percuter de plein fouet Mars. Et là, le taux d'échappement est passé de 10 grammes par seconde à 100 grammes par seconde. Sachant que le Soleil était bien plus actif il y a longtemps, dans le passé, c'est sans doute cette érosion par le vent solaire plus actif qui est bien responsable de cette perte de l'atmosphère martienne. Alors, je vais terminer avec les dernières structures d'érosion qu'on trouve sur Mars à l'Hespérien. Malgré le fait que l'atmosphère soit très pauvre en gaz et que le climat soit froid et sec, on avait quand même des remontées volcaniques qui ont fait fondre la glace en sous-sol et provoqué des vallées de débâcle. On en trouve quelques équivalents aux États-Unis, avec de l'eau qui a déferlé pendant quelques jours seulement, avec 1000 fois le débit de l'Amazone. Donc des quantités d'eau énormes qui ont ravagé les terrains, qui ont creusé la surface. Voilà à quoi ressemblent les terrains après que la glace est totalement fondue et qu'on ait une formation de ce qu'on appelle des chaos martiens. On a posé des sondes plusieurs dizaines d'années, dans ces lits de rivières, parce que depuis l'orbite, en fait, ce sont surtout ces rivières qui se voyaient. On se disait, là, on est sûr que l'eau a coulé, donc il y a dû avoir peut-être accumulation d'eau et peut-être formation de formes de vie. Et lorsqu'on s'est posé, voilà à quoi ça ressemblait. Des champs de cailloux, où l'eau a coulé tellement peu longtemps qu'elle n'a même pas eu le temps d'éroder des cailloux sous forme de galets. Donc c'était une déception pour les scientifiques du Lander Viking et de Mars Pathfinder. On a trouvé uniquement des roches volcaniques qui étaient très peu érodées par l'eau. Les autres types de roches qu'on trouve à l'Hespérien, ce sont des sulfates, des roches riches en soufre. Or le soufre, d'où vient-il? Tout simplement de l'activité volcanique très intense qu'il y avait à l'Hespérien, qui a envoyé du soufre dans l'atmosphère, et le soufre a précipité dans l'eau pour former des acides sulfuriques et des sulfates. Voilà. Donc un climat qui était très froid et très sec, et lorsqu'il était humide, c'était une humidité acide. Opportunity notamment a analysé ces roches, ces sulfates, et elle a pu identifier que ces roches étaient assez semblables aux évaporites, telles qu'on en trouve par exemple en Bolivie, là où l'eau s'évapore et qu'on forme des dépôts salés. Et on arrive à la dernière partie du climat, jusqu'au climat finalement actuel, ce sont les 3 derniers milliards d'années de l'époque de Mars, ce qu'on appelle l'Amazone. À cette époque-là, l'eau n'était vraiment plus présente en surface. Mars a une atmosphère très oxydante, composée notamment de peroxyde d'hydrogène, H2O2, l'eau oxygénée finalement, sous forme vapeur, qui a oxydé les roches riches en fer de Mars, ce qui a donné sa couleur rouille. Alors malgré tout, on trouve encore de la glace dans le sous-sol, au niveau des régions polaires, c'est ce qui indique les régions bleues ici. Et on a posé la sonde Phoenix. Alors voilà, la sonde Phoenix s'est posée juste là, à haute latitude, dans les régions polaires. Et en creusant sur quelques centimètres de sable, elle a réussi à montrer qu'il y avait bien de la glace dans le sous-sol. Donc sous quelques centimètres, si vous souhaitez aller sur Mars un jour, il faudrait plutôt viser dans les hautes latitudes, parce que là, sous quelques centimètres de sable, vous trouveriez de la glace. Et cette glace, on pourrait très bien la creuser, la mettre dans un four, la faire fondre et puis la boire. Peut-être en la désinfectant un peu, qui sait, il y a peut-être de la vie dans cette glace. On ne sait pas. Alors, dernière petite énigme martienne, on voit qu'il y a des glaciers, des formes de glaciers au niveau de l'équateur de Mars, ce qui est assez intriguant, puisque sur Mars, normalement, les glaciers sont plutôt situés au niveau des pôles. Comment expliquer ça? Alors ces glaciers, ils ressemblent assez fortement aux glaciers rocheux qu'on trouve par exemple dans les grandes rousses. Glacier rocheux, c'est de la glace qui est préservée sous une couche assez épaisse de roche. Pour expliquer la formation de ces glaciers à ces endroits particuliers, il faut remonter aux variations d'obliquité de Mars, c'est-à-dire de l'axe de rotation de Mars. Il faut savoir que sur Terre, autour de la Terre, on a la Lune qui stabilise l'axe de rotation de la Terre. La Terre ne va pas gigoter comme ça, tourner tantôt vers... son axe de rotation va rester assez stabilisé. Alors que sur Mars, l'axe de rotation, au cours des millénaires et des millions d'années, a fortement oscillé. Mars est retrouvé parfois penché comme ceci. Et dans ces cas-là, les calottes se sont retrouvées exposées fortement au soleil. L'eau s'est vaporisée et est venue se recondenser au niveau des régions froides qui étaient à ce moment-là l'équateur. De la poussière s'est déposée et isolé thermiquement les glaciers qui se sont retrouvés ensuite dans la situation présente. Et enfin, on a formé finalement, il y a quelques millions d'années, les fameuses calottes, qui sont finalement très récentes. Donc en résumé, voilà
l'évolution des climats martiens. Noachien avec formation d'argile et un climat assez humide. Hespérien avec un climat beaucoup plus sec, de l'eau sporadique et la formation de sulfate en milieu acide. Et enfin l'amazonien avec formation de la rouille martienne, aussi de fer aride et de vastes dépôts de glace. Je terminerai en ouvrant sur la question de la vie martienne. On cherche de la vie sur Mars, c'est ce qui motive les programmes d'exploration martiens. La question qu'Alcine résout Curiosity, c'est est-ce que Mars a été habitable ou non? Est-ce que les briques de la vie étaient présentes ou non? Alors les argiles qu'étudie Curiosity sont propices à l'apparition de vie. Pourquoi? Parce qu'elles se forment dans une eau neutre, parce qu'elles se forment dans une eau stable, donc ce qui implique de l'eau pendant de grandes échelles de temps, et parce que leur structure en foyer favorise la croissance de molécules organiques. Ici, on a une image de la structure de ces argiles, et dans cet espace interfoyer, entre les feuillets d'argile, peuvent se former de longues chaînes carbonées, sans parler d'ADN, on peut simplement parler de longues chaînes carbonées qui pourraient former des sucres, des acides aminés, etc. La question est-ce qu'il y a des molécules organiques dans ces argiles? Alors, Curiosity était doté d'une perceuse pour les forer, est doté d'une perceuse pour forer les roches. Vous voyez ici une animation où on voit le forage se faire, les fameux trous qui ont été creusés, vus ici au-dessus, avec de la poussière qui est éjectée de la roche. D'ailleurs, on remarque que les roches martiennes sont grises en profondeur. Elles sont rouges en surface due à la couleur rouille de la poussière, mais elles sont grises en profondeur. La poussière, la poussière des roches est mise dans cette petite pelle, transférée au laboratoire qui l'analyse. Alors les roches, déjà, on a remarqué qu'elles étaient composées de phyllosilicates, c'est-à-dire d'argile, donc c'est bien des argiles qu'a analysé Curiosity. Dans ces roches, on a des éléments carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Ce sont les éléments essentiels pour former les formes de vie, en fait, les molécules dites organiques. D'autre part, les argiles sont très épaisses, plus d'1,5 mètre, impliquant que l'eau liquide a été là pendant au moins 1500 ans et jusqu'à plus de 10 millions d'années. Et enfin, dernier point important, les minéraux qui sont analysés sont à différents degrés d'oxydation, c'est-à-dire qu'on a des minéraux plus ou moins oxydés. Cela implique une forme d'énergie qu'on appelle l'énergie d'oxydoréduction, qui est la même que l'énergie qu'on utilise dans nos batteries, par exemple. Tout ça fait dire que Mars a été un jour habitable. C'est-à-dire que dans l'environnement où on a percé ces argiles, là où ces argiles se sont formées, si à l'époque on avait mis une petite algue, elle se serait très bien développée. Une petite plante ou une petite plante verte, elle se serait très bien développée. La question est de savoir est-ce qu'il y avait des petites plantes vertes à cette époque, au moins des bactéries. Donc on cherche des molécules organiques. On a découvert du chlorobenzène dans les roches. On a découvert aussi des alcales chlorées, mais finalement des molécules très simples. On espérait trouver des molécules plus complexes. Et on trouve très peu de molécules organiques. Ces molécules organiques, comment est-ce qu'elles sont formées? Elles ont pu être apportées par des météorites, elles ont pu être apportées par des processus hydrothermaux et atmosphériques, ou elles ont pu être synthétisées par une activité biologique. Trois processus de formation. Pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'une activité biologique les ait formées. Ce qui est assez étrange, c'est que des molécules organiques, en fait, on en trouve pas mal dans le système solaire. Sur le satellite Titan, qui est un satellite de Saturne, on trouve en abondance des molécules organiques, que ce soit dans l'atmosphère, sous forme d'aérosols, qui sont les taulins, à la surface, dans les glaces, bref, beaucoup. Sur la comète Churyumov-Gerasimenko, on trouve également beaucoup de molécules organiques. Et pourtant, sur Mars, il y en a très peu. C'est parce que l'atmosphère martienne très oxydante, en fait, a oxydé ces molécules organiques, si elles étaient présentes en abondance, et les UV les ont cassées, ainsi que les rayons cosmiques. Pour chercher les molécules organiques, il faut aller creuser en profondeur, et c'est ce que va faire ExoMars, qui, si tout se passe bien, ira en 2018 sur Mars pour forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Alors Curiosity continue ses forages malgré tout, même s'il ne peut pas forer très profondément, il fore vers 5 cm à peu près. Il a creusé déjà 9 trous, avec, on voit des couleurs assez différentes pour les roches, ce qui indique une minéralogie variée. Voilà une carte qui indique la position de ces différents trous. Et le parcours ici est représenté sur Google Earth, alors ça représente à peu près 13 km, comme je le disais. 9 trous, ça veut dire qu'il en reste plus que 9 pour avoir le premier parcours de golf martien. D'accord? Ça peut être sympa comme environnement. Le robot est parti de là, il est arrivé au niveau du champ de dunes. Voilà à quoi ressemble le paysage, ça c'était photographié il y a quelques mois. Cette dune ici fait 4 mètres de haut, donc on pourrait s'imaginer la gravir et voilà, ça ressemblerait un peu au Sahara. Et son objectif ultime à long terme, donc on espère qu'il atteindra d'ici un an, c'est d'atteindre la base du Mont Sharp où on a une multitude de collines qui ressemblent à ça, vu depuis la position actuelle du Curiosity.
Voilà, je pense qu'il est temps de retourner sur Terre maintenant. Donc un dernier survol de Mars, filmé par la webcam de la sonde Mars Express, sonde européenne. On voit ici les fameux, le dôme de Tarsis avec ses volcans. On arrive dans la nuit martienne, au-dessus des régions polaires, et on survole voilà, la calotte permanente nord de Mars et les plaines martiennes. Pour poursuivre l'aventure, je vous propose deux ouvrages. Le ciel et l'espace de ce mois-ci, qui parle de vie sur Mars, et notamment de la mission ExoMars. Et puis un ouvrage de référence, La planète Mars, histoire d'un autre monde, écrit par François Forget, François Cotard et Philippe Lognonnet, qui sont tous des scientifiques français qui travaillent dans les laboratoires français très actifs dans la recherche martienne. Je vous remercie de votre attention.